Voilà, monde entier, bonjour à vous, merci. Là, nous sommes à l'aéroport international d'Ndjili. Martin Fayoulou, Adef Mozitou viennent déjà d'atterrir ici. Tout à l'heure, il sera accueilli. Nous sommes en direct ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui êtes nombreux en ce moment à nous suivre dans le monde. En tout cas, on va vous tenir compagnie. Déjà, la mobilisation, elle est grande ici à Kinshasa. La petite délégation restreinte est déjà ici en train d'attendre Martin Fayoulou qui va tout à l'heure faire sa sortie ici même. Vous allez le voir, il est accompagné de Martin Fayoulou et puis il est prévu dans le programme un grand meeting à la place Saint-Thérèse que vous allez également suivre en direct sur cette page. Là déjà je monte dehors, que là dehors c'est Kinshasa, l'aéroport international de Ndjili. Voilà, donc nous sommes là pour vous. Voilà, soyez donc branchés. Premier mot de Martin Fayoulou que vous allez suivre tout à l'heure ici, mesdames et messieurs. C'était un rendez-vous important. Martin Fayoulou, vous savez, qui est président de la République élu, 62%. Et hier, vous avez suivi la déclaration ou le communiqué final des assises de Bruxelles avec cette volonté réaffirmée de Sileder à l'unité, à poursuivre ce combat pour donner au peuple sa victoire électorale et surtout pour que le changement soit véritablement effectif. Merci à Jean-Marc Kabunda. Vous êtes déjà branché. Merci beaucoup, Vita Chinyama. Merci d'être là. Merci d'être branché. Tout à l'heure, Martin Fayoulou va faire sa sortie et vous le verrez. Espérant. Voilà, Delphine Yoko, Yévin, Siki, merci d'être là. Vous êtes donc en direct ici de l'aéroport international de Kinshasa où Martin Fayoulou accompagné de Adolphe Mozitou sont déjà ici. Tout à l'heure, ils vont devoir sortir et on prendra la toute première réaction après cette tournée héros américaine qu'il a conduit à Bruxelles, en France, en Belgique, à Paris, en France, aux États-Unis, un peu partout au Canada, à Londres aussi. Il est porteur de messages de tout le Sileder, la Mouka qui est devenue officiellement depuis hier une plateforme politique avec deux objectifs. Il poursuit le combat pour le changement effectif de notre pays, la RDC. Merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à Kinshasa. Déjà, toute la presse, tant nationale qu'internationale, est rangée. Voilà, Han Vungo, merci. Léonine Moupépélé, bonjour, merci d'être là. Voilà, très rapidement, on va essayer de prendre des réactions de députés. Je vois ici Mike Mukebay. Bonjour Mike, bonjour. Oh, salut. Voilà, on vous suit un peu partout dans le monde. Vous êtes ici à l'aéroport international de Ndjili pour accueillir Mafa. D'abord la première impression. Après cette longue tournée héros américaine qu'il a conduit, mais il retourne aujourd'hui. L'accueil
est-il au rendez-vous? D'abord, un grand moment de bonheur. Grand bonheur. Nos leaders ont donné aux Congolais une belle leçon de maturité. Tout le monde prédisait l'éclatement de la Mouka. Ils ont réussi à s'accorder et à mettre en place une présidence rotative. Ça, c'est formidable. Ces dépassements de la part de chacun d'entre eux, formidable, une belle leçon pour les enfants, pour le Congo. Ben, pour le reste, écoute, je vous promets que la queue sera au rendez-vous comme toujours. J'ai pas de commentaires à faire. Tu as bien vu dehors qu'il y a des centaines de milliers de manifestants mobilisés. Et je te jure, juste que ça intéresse, on va réunir 1 million, 2 millions. Comme toujours. Qui doit dans la rue, comme toujours. Pour accueillir le véritable président de la République démocratique. Le président élu. Élu. Voilà. Et Félix le sait, hein. Il sait que l'élu, c'est Martin. Et Kabila, je n'en dis pas plus, il le sait très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est la réaction à chaud de Martin, de député provincial de la Mouka, Mike Moukebaï. Merci beaucoup. Nous sommes là pour vous retransmettre en direct cet grand événement depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Essayer de prendre encore d'autres réactions à chaud. Prince Epengue, bonjour. Bien. Oui, on vous suit un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes à l'aéroport pour accueillir Martin Fayoulou qui arrive. Votre première impression d'ailleurs, c'est niveau. Eh bien, le peuple n'a pas changé d'avis. Le peuple congolais tient toujours au respect de son vote. Le peuple congolais tient au pouvoir qu'il a donné au président élu Martin Fayoulou. Voyez la mobilisation du peuple. Nous n'avons pas mobilisé le peuple. Le peuple s'est auto-mobilisé pour accueillir son président. Ce n'est pas le combat des Fayoulou, le combat que nous poursuivons maintenant. C'est le combat du peuple. La victoire du 30 décembre n'est pas la victoire des Fayoulou. C'est la victoire du peuple. Et le peuple tient à défendre cette victoire coûte que coûte. Nous sommes là à l'aéroport. Le président Martin Fayoulou va sortir d'ici là. Nous allons l'accompagner pas après pas jusqu'à au terrain Sainte-Thérèse que nous qualifions de temple de la démocratie. Là, il va lancer un message fort. Mais nous disons que le temps de parole est révolu. À dater d'aujourd'hui, c'est les actes que nous devons poser. Je ne veux pas aller parler de la réunion. Il y a eu un vote, il y a eu un président élu. Il y a eu celui qui a été nommé à Kinshasa. Nous ne pouvons pas accepter que les gens tentent de nous faire croire que non, ce combat doit être abandonné. Nous n'abandonnerons pas ce combat. Si Bamale, que lui-même m'a fait arriver à abandonner ce combat, le peuple va continuer ce combat. Mais comme toujours, Fayoulou n'a jamais abandonné un seul combat dans sa vie. Ce combat pour les triomphes de la vérité des urnes, nous allons le poursuivre avec lui. Regardez des milliers de gens qui sont à l'extérieur. À ce moment où Thérèse s'intéresse déjà, il y a un monde fou. Ça veut dire quoi? C'est un signe. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Que ce peuple veut un changement. Félix a vendu le pays
et nous n'allons pas laisser ces pays comme ça. Regardez au Soudan, regardez en Algérie. Le peuple est mobilisé malgré le départ de leurs chefs d'État respectifs. Nous ici, Kabila s'est caché derrière Félix et on nous dit non, laissons les choses avancer. Attendons, on n'a rien à entendre. Nous nous préparons à déboulonner et M. Félix et M. Kabila pour libérer véritablement notre peuple. Voilà, en même temps aussi, Maître Nico Mayengele, bonjour. Bonjour, mon votre réaction cher. Aujourd'hui, vous êtes en train d'attendre Martin Fayoulou qui vient déjà d'atterrir. Hein. Il accompagne de Mobutu. La mobilisation est très grande à ce niveau pour le peuple congolais qui est noir principalement. Un message, vous. Nico Michel, vous avez toujours été véridique. On n'attend pas le président Fayoulou comme individu. On attend le président Fayoulou comme le président élu. Raison pour laquelle vous avez vu le peuple s'est mobilisé autour de cette victoire qui a été volée le 30 décembre 2018 par M. Nanga, Kabila et M. Félix. Puisque M. Félix est comme les récélaires, il jouit d'un bien volé, mais ce n'est pas lui qui a organisé le vol. C'est ainsi que le peuple a compris, et le G, et les joueurs, et les coachs, nous nous sommes mobilisés pour dire au monde entier non à une tricherie électorale. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous pouvez être là, en train de donner l'impression que vous êtes en train de gérer, mais le peuple n'est pas avec Félix, puisque Félix égale Kabila. Et personne ne peut accepter Kabila qu'il puisse continuer à gérer, à diriger derrière M. Félix, qui est son patin. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le peuple, ayant suivi les mots d'ordre de son commandant à la personne de Martin Fayoulou, nous sommes venus l'accompagner à la place Sainte-Thérèse afin de tenir un meeting de vérité. Puisque l'ère est à l'action et à la responsabilité de tous. Nous devons nous mobiliser pour libérer le Congo d'entre les mains de la Kabylie. Vous avez suivi l'ambassadeur américain qui avait amené Félix aux États-Unis pour le faire avaler comme si c'était des couleuvres. Mais Trump a dit non, il y a de l'insécurité au Congo, il n'y aura pas d'investissement américain. Mais on vous avait fait croire les investisseurs américains viendront. Mais aujourd'hui, la vérité est sur la surface pour dire que tant qu'il n'y a pas de sécurité au Congo, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas l'arrivée des opérateurs économiques américains. Donc les États-Unis ont rejoint la position de la Lamuka. Aujourd'hui, les combats portent autour d'une seule valeur, la dignité républicaine, la vérité autour des idéaux républicains, notamment la vérité de Zion. Aujourd'hui, si Martin Fayoulou est adulé par le peuple, il est aimé par le peuple, il est porté par le peuple parce qu'il a refusé cette mascarade électorale qui a élu domicile depuis 2006. Bemba avait accepté en 2006 pour raison de paix. Il n'y a pas eu de paix. Etienne Tshisekedi avait accepté, quoique tardivement, en 2016 avec les dialogues de la CENCO. Mais il est parti en laissant Kabila au pouvoir. Et aujourd'hui, Fayoulou donne un bel exemple et à l'histoire et aux fossoyeurs de la République. Puisqu'il s'est montré de manière claire que M. Félix est le négro traître du siècle des Lumières. Lorsque vous interrogez l'histoire, vous comprendrez qu'il y a eu un maréchal Pétain qui avait trahi la France comme l'a fait Félix. En se joignant à M. Kabila, qui est l'occupant. Il n'a pas oublié qu'il avait taxé Kabila d'occupant. Il n'a pas oublié qu'il avait taxé Kabila d'un Rwandais. Aujourd'hui, il s'est allié à Kabila, donc il devient aussi ce qu'est Kabila. Bref, le peuple a compris. Nous allons nous mobiliser jusqu'à ce que M. Félix et M. Kabila seront mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, c'est la résistance. Vous avez suivi, la Lamuka s'est mis en plateforme politique. Ça, c'est un combat politique. Le peuple s'est mis en plateforme populaire. C'est un combat populaire derrière Martin Fayoulou qui incarne la résistance populaire et derrière Lamuka qui incarne les enjeux politiques. Donc il ne faudra pas qu'il y ait une quelconque confusion là-dessus. Merci beaucoup. Merci Maître Nico Mayengele. Voilà, monsieur, je crois que vous suivez en direct ici à Kinshasa. C'est arrivé de Martin Fayoulou qui est accompagné de Adolphe Mouzi tout à l'heure. Il va sortir, je crois qu'il est déjà dans la salle d'attente. Il est temps pour lui de disposition administrative et puis il va tout à l'heure sortir, vous allez le voir.
Nous sommes encore à l'aéroport, c'est juste une délégation restreinte qui va accueillir tout à l'heure Martin Fayoulou. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a une très grande mobilisation de Quinois dehors déjà ici à l'aéroport et tout au long des grandes artères jusqu'au niveau de Njili à la place Saint-Thérèse où il va s'adresser à ces milliers de Quinois qui sont déjà sur place au niveau de la place Saint-Thérèse à Njili. Donc soyez branchés, vous allez suivre en temps réel cet événement, ce grand événement. La Mouka, aujourd'hui devenue plateforme politique avec des enjeux apolitiques importants. On va également devoir ici, à travers ces messages que Martin Fayoulou porte au nom de tous les six leaders, vous serez la substance, la quintessence tout à l'heure. Merci et soyez branchés, merci de la confiance un peu partout. Je vois que tous les continents sont branchés sur cette page. En tout cas, grand merci à vous. Je crois qu'il ne reste que quelques minutes pour que Martin Fayoulou puisse sortir et que nous entamions en même temps aussi la longue procession. Et je parie que ça sera très très grand comme on a toujours eu. Lorsqu'il était de retour pendant la campagne électorale et surtout la deuxième tournée qu'il avait entamée pour la revendication en rapport avec la vérité des urnes. Juste un petit temps, quelques minutes seulement, on va devoir commencer. Donc il faudra d'abord va sortir, va saluer la délégation restreinte qui est venue ici. Et puis nous entamerons également la longue procession vers le lieu du meeting qui est la place Saint-Thérèse d'Angélie. Thank you.
parler de Lucas Moukassa. C'est ça. Franchement. Mais c'est pas grave. Ah, c'est un micro. Ah oui. Mais je t'ai dit, les images, des fois, il y a plein de combats. Je ne sais plus. Non, moi je suis caméraman. Je ne suis pas filmé, caméraman. Caméraman. Et ça, là, moi, pas une grave. Ma chaîne est bien, je trouve. Ma chaîne est bien. Parce qu'il y a une affaire sur la vidéo. C'est 100 euros.